J'étais né dans le bois, au Conestagne. 24 octobre 1931. J'étais parti en 32. Au printemps, le mois de juin. Parce qu'on avait passé l'hiver, comment j'appelle ça, là, en montagne blanche. On est descendu au mois de juin. J'étais pas déjà au mois de juin. Pour ce mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, mai, juin. C'est que 11 mois. 11 mois dans le bout. On disait qu'on ne restait pas longtemps, c'était un mois, 4 semaines ou 5 semaines. On partait tout le reste. Tout le monde là, s'en allait. Dans les Belouets, dans le monde montait dans le bois quand il y avait les Belouets. On s'entendait voir tout le monde. Tout le monde était tenté dans la même place, à chaque jour quand on montait. Ça fait qu'on s'est rencontrés quasiment toutes les 15 minutes dans le portage. Puis, qui descendait, l'autre montait. Puis, on faisait plusieurs voyages dans le portage. Avec du stock en masse. Les autres ont tué l'arrière quand on avait vraiment besoin. Pas tout le temps. Quand on n'avait pas besoin. Parce qu'on voyageait trop, hein, puis on déménageait tout le temps, à toutes les semaines, on déménageait. On restait 2 ou 3 jours dans une place pour déménager dans une autre place. C'est comme ça qu'on faisait tout le temps dans notre sens. Ça fait que nous autres, on ne pouvait pas traîner un arniel de temps partout ce qu'on voit. Là. Au moins, Julien, les Padrilles, Castor. Des fois qu'on pognait l'eau servie au collet, là. On ne mangeait pas l'eau servie pris au piège parce que ça vit trop longtemps. Tandis qu'au collet, il meurt tout de suite. Là, puis là, c'est même dire, elle dit, tu peux pas voir jamais vie, toi. Mais non, je ne vois pas. J'ai dit, je suis pas capable de le voir, mon père, il veut rien savoir de lui. Elle dit, pourquoi tu ne fais pas monter par le châssis? J'étais-tu folle, toi? J'ai dit, c'est pas que je me fasse pogner, me faire tuer. Elle dit, non, non. Elle dit, dis-y qu'ils viennent vers 3 heures. Elle dit, 3 heures, personne ne va te boire, là. Fait que j'ai dit à Jean-Marie, j'ai dit, serais-tu d'accord, toi? J'ai dit, venir à 3 heures. Il dit, Perio, tu vas rentrer par l'échelle, tu vas prendre l'échelle, tu vas monter en haut. J'ai dit, je couche en haut, moi. Alors, d'abord, un soir, ça faisait à peu près un mois que ça durait. Mais là, après ça, son frère, lui, il se demandait ce qu'il allait en même. Il se demandait ce que Jean-Marie allait tous les soirs. Fait que il l'a suivi. Puis là, il l'a suivi jusqu'à chez nous. Mais là, chez nous, il voulait voir ce qu'il allait. Fait qu'il a monté en haut dans l'échelle, mais il a tombé en bas. En tombant en bas, ça a fait un gros boum, tu vois. L'armée était quand même assez pesante. Fait que là, mon père, il me lâche un cri. André, c'est qui en haut? J'ai dit, il n'y a rien. J'ai dit, c'est moi qui ai tombé en bas du lit. Mais tu vois, il m'a pas cru pendant tout le temps. Fait qu'elle dit à maman, elle dit, va donc voir ce qui se passe en haut, toi, là. Fait qu'à maman a monté, mais arrivé face à face avec Jean-Marie. Bon, je lui avais dit à lui, sauve-toi, là, moi, je vais faire en semblant d'aller boire. Mais non, il s'est pas sauvé, il est resté là. Mais arrivé face à face avec Jean-Marie, là. Elle dit, là, vous descendez parce qu'elle dit, là, je fais venir le bonhomme. Elle dit, non, elle dit, je vais descendre, mais je la vois marier pareil, ta fille. Voilà, il a arrêté à un moment donné. Il n'était pas capable. Il faisait la chasse avec ça. Là. C'est dur de faire la chasse. Là. C'est encore plus dur de travailler. Là. Il fait des raquettes tout l'hiver. Là. Ça ne marche pas toujours comme ici. Là. Tu cales, des fois, quand il y a des tempêtes, tu peux caler jusqu'à la moitié de la rampe. J'ai 50 ans quand j'ai arrêté de travailler.
55 ans à peu près. Elle n'avait pas encore sa pension, en tout cas. Elle était obligée d'arrêter. J'avais des jambes, elle était tout emplie. Le soir, j'avais une cuillère en faisant mal. Elle a fait de la chasse longtemps avec moi, mon père. Ben, quand il est mort, il descendait. Il descendait parce qu'il était tout seul en haut. Ben, il commençait à avoir de la glace dans les rivières. Il ne pouvait pas faire du canot. Puis là, il avait neigé la nuit. Posément, quand il est descendu, là, d'après le stock que j'ai trouvé, là, il y avait certainement 4 pouces de neige. J'ai trouvé le canot là-bas. Il y avait un petit ruisseau, là. Pour moi, il est tombé, là, dans le ruisseau, là. Puis, le canot est resté là. Moi, il est parti après. Je ne sais pas trop comment c'était à manger. Ou s'il était tenté la veille, sa tente, la tente était tentée dans le ruisseau là-bas. On va prendre un maudit du porteur. C'est là qu'on l'a trouvé. Vous savez, parce que pour moi, le poêle, il était pas chauffé. Le poêle, il avait du bois dedans. Mais... Pour moi, il n'y a pas eu le temps d'allumer son poil. Il est mort demain dans son sleeping bag. Je vais qu'on l'a trouvé.